Thank you.
chanson Noël. C'est une petite surprise, une petite première partie qu'on a voulu vous montrer parce qu'on l'a fait cette semaine. Voilà, à l'occasion de la sortie du dernier Star Wars, on a présenté cette chorégraphie dans un cinéma et on espère que ça vous a plu. Pour s'il y a des fans dans la salle, voilà, c'est un petit coup de cœur, petite surprise d'avance. Voilà. Tous présents, d'avoir trouvé des places pour vous garer, tout ça, c'était génial. On tient à remercier le Valbrière et la commune pour le prêt de la salle, la team Sinolu qu'on peut applaudir bien fort pour tous les gens. On remercie aussi nos compagnies invitées, on remercie Assez Mouvart, on remercie Ardance, on remercie Clémentine de Franqueville et on remercie les Malappris, nous a fait le plaisir de travailler avec vous. Portable. Les issues de secours se trouvent sur les côtés de la salle. N'oubliez pas d'éteindre et de cacher vos écrans car nous avons des caméras un peu partout, un photographe. Donc vous pouvez regarder avec vos vrais yeux ce magnifique spectacle qui arrive. Voilà, et on vous souhaite un très très bon spectacle. Une petite sœur. Parce que comme ça, je pourrais lui faire des super coiffures. Lui crêper les cheveux. Non, tirer... bah non, pas les cheveux. Si, c'est super bien, crêpe, gaufrée. C'est très bien. Cher Père Noël, j'ai bien réfléchi. Et pour Noël, j'aimerais vraiment... Des rollers. Oui. Des rollers, parce que comme ça, je peux descendre la rue de la Boulée à fond la caisse. Parce que tout le monde y arrive, pas moi. Mais là, je vais y arriver. Exactement. Avec des protections, un casque, un truc pour les dents. Et les coudières. Et les coudières, c'est important. Cher Père Noël, je t'écris, même si je trouve ça hyper ridicule, quand on est au collège, de t'écrire. J'avais une question par rapport à la liste. Est-ce qu'on peut commander de l'argent? Parce que j'ai vraiment pas assez d'argent de poche et que les parents, ils refusent de m'acheter ce que je veux vraiment. Si possible. Cher Père Noël, cette année, pour Noël, j'aimerais vraiment... Que tout le monde soit réuni. Tout le monde. Vraiment. Même ceux qui habitent loin. Même ceux qui habitent près. Même ceux qu'on n'aime pas tout le temps. Pas ceux qu'on n'aime pas tout le temps. Ceux qu'on aime. Ouais. Même ceux qui mangent pas. Ceux qui mangent pas, comme ça, eh ben, je mangerai leur part. Ouais, c'est génial. Je vous coche. Cher Père Noël, j'ai un truc à te demander. Et c'est vraiment important parce que ça me manque énormément. Est-ce que cette fois, on pourrait avoir de la neige? Ça fait super longtemps qu'on n'a pas eu de neige à Noël. Ah ça, c'est le réchauffement climatique, c'est sûr. Hein. Oui, bah, on ne peut rien. On peut demander quand même. Magie, magie, magie. Okay. Neige, neige. Neige, neige, neige. Cher Père Noël, c'est très important parce que je commence à en avoir un petit peu marre de tout ça. Pour Noël, j'aimerais vraiment beaucoup... Que tu... Tata, tu expliques à Tata Manon que la panière à linge n'est pas un rallye dans le couloir, que ça n'est pas un moyen de locomotion, que mes enfants n'ont pas besoin de se mettre dans la panière pour traverser de la salle de bain à la chambre. Note à moi-même, racheter des panières à Lulu, vu que Paul et Louise ont cassé les trois autres. Note à moi-même, racheter du gaffeur pour réparer les nouvelles panières que Paul et Louise ont cassées en faisant du rallye panière dans le couloir. Cher Père Noël, pour cette année, pour ce soir, je voudrais vraiment, mais alors, vraiment, le plus beau des spectacles de Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Secret code that David played, and he played alone. But you don't really care for music, do you? But it goes like this.
the four defeats, the minor fall and the major league, the baffling king composing hallelujah, hallelujah. Strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her body and the moonlight of a Julia. But it goes like this, the fall, the feet. Hallelujah. La table. C'est pas bon. Aline, Emeline, la table. Les filles, qu'est-ce que vous faites? Venez ici. Les filles, qu'est-ce que vous faites? Je vous ai demandé qu'une seule chose, c'est m'aider à préparer la table pour le réveillon. Pourquoi c'est pas fait? Maman, je sens que tu commences à stresser de recevoir tout le monde. Il faut que tu te détendes. Non. Venez ici. Tu paniques toujours quand les frères et sœurs de papa viennent. Je panique pas les filles, je prépare et je vous demande de m'aider. Alors hop, vite. Et où est votre père? Je t'avais dit, trop de pression. On aurait dû le faire chez tata Jeanne. On va se lisser les cheveux? Ah ouais. Patrick. Mais Teddy où? En plus, c'est même pas venu. Je réparais le vase en porcelaine de ta mère, dans le garage. Pourquoi? Bah, je suis allée chercher les tabourets, comme tu me l'as demandé, et en passant devant l'établi, j'ai vu le vase brisé. Et je me suis dit, mon petit Pat, ça c'est une mission pour toi. Patrick, ce vase est cassé depuis 2 ans. Ta famille va arriver d'une minute à l'autre et tu te dis ce soir, en 24 décembre, à 19h47, que tu vas le réparer. Excuse-moi de prendre des initiatives. Merci. Jeanne, si tu peux convaincre tes nièces de m'aider à finir de préparer la table, bah ça m'aiderait. Tic et tac, on descend pour se manger à
Bon, allez, les toasts en cuisine. Papa, tu feras les toasts. Mais j'aime même pas les toasts. Tu m'attraperas pas. Tu vas voir ça. T'es sûr? Non. 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 J'ai osé. Touché. Non, maison. Non. Les filles, je vous ai déjà dit, on ne prend pas le nez comme maison dans son jeu, ça. Mais papa, elle se déplace tellement pas vite que ça coule comme un meuble. Everything you say or do, Lulu. Everything.
Eh ben parfait. T'as bien enlevé toutes les décos de Noël. Je pense, oui. Toutes, Nat? Quasi. Non, c'est important, on a dit un truc pas prise de tête, à la cool, entre potes, et pas tradi. Bon, j'avoue, j'ai laissé le traîneau lumineux sur l'étagère, au-dessus des toilettes. Nat! Oh, mais je l'adore ce traîneau, et puis il m'a coûté un bras chez Truffaut. Il est trop mignon avec ses petites lucioles et puis ses petits rennes. On va pas laisser 200 balles traîner dans un carton. 200 euros? Bon, j'ai dit le prix comme ça, d'accord? Mais on va l'amortir de toute façon. Hein. Puis on va pas passer Noël dans nos toilettes non plus. Ok, t'as gagné, on garde le traîneau. De toute façon, j'ai pas envie qu'on se prenne la tête juste avant qu'ils arrivent. Pourquoi tu dis ça, là? Bah parce que je te sens un tout petit peu tendax, là. Non, pas du tout, pas du tout. J'adore l'idée de passer Noël entre potes à la poule. J'adore. Je suis pas du tout tendue. Je vais chercher la nappe. Ouais, mais pas trop chic, la nappe, hein. Oui, bah c'est ça, je vais prendre la nappe de l'anniversaire de Thomas, il y aura peut-être des pirates dessus, ça sera bien comme ça. Tu veux pas te détendre un peu? Tu veux pas une tisane, un sédatif PC, un Prozac? Salut mon nono. Eh ben, tu tombes bien toi. Ah bah, qu'est-ce que tu veux, c'est ce qu'elles disent toutes. Qu'est-ce que c'est que ce sac là? Ça, c'est mes affaires pour la nuit, au cas où je boive un petit peu trop, là. Je peux dormir ici? Bah, oui, bien sûr, mais tu devais pas dormir chez une copine? Ah, celle de la vie claire, non, mais elle m'a quitté, celle-là. Ah, ouais. Non, mais par contre, j'en ai rencontré une autre au Biocop, je te dis pas. T'as vraiment un problème avec les magasins bio, toi. Non, mais... Mais c'est un nid à meufs, ces trucs-là. Genre? Bah, je t'assure, j'y vais, je traîne au rayon des distributeurs en vrac, et là, je repère une petite zoulette. Et je lui dis, excusez-moi, vous connaissez la différence entre le quinoa et les lentilles corail? Je t'assure, le côté bio, ça les excite à mort. Ah ouais? Ben, oui. Et de toi à moi, je peux te dire que après c'est elle qui finit sans vrac. Hein. Après tout ce que je... Comment je te la retourne et tout. T'es là en toi? Ah bah oui. Vous parlez de quoi? De lentilles corail. J'adore les lentilles corail. Faut absolument que je retourne en acheter chez Naturalia. Tu vois, elle adore les lentilles corail. Oui, bah c'est bon, j'ai entendu. Bon, allez, viens, on prend tes affaires et je vais t'installer dans ta chambre. Ah oui. Tu dors là, Antoine? Bah oui. Bah, première nouvelle. Non, là, t'es en bas, là. Mais fais-lui bouffer des lentilles corail à ta femme. Bon, bah moi, je vais me faire une boisson chaude pour me détendre. Joyeux Noël! Bienvenue à la maison. Vous êtes venus ensemble? Ouais. Bah ouais. Bah oui, tu sais bien, moi, depuis que je me suis fait piquer ma bagnole, eh ben, je me suis mise au covoiturage. Alors, comme Patoche et là, ils sont pas loin, bah voilà. Pas loin? Bah, enfin, et ça nous fait quand même un petit détour de 20 km. Oui. Non, mais est-ce qu'on compte les kilomètres entre amis, franchement? Eh ben non. Bah dis donc, Manatou, qu'est-ce qu'on voit? Je sais pas, Ouais, non, parce que moi... Comme c'est mon premier Noël depuis divorce, je t'assure que je vais fêter ça et en beauté en plus. Oui, doucement, parce que c'est toi qui conduis au retour. Oh, on avait dit ça. Oui. Dis donc, Patoche, t'as vraiment envie de boire? Non, parce que vu ton âge, moi je trouve ça risqué. Excuse-moi, hein, on doit avoir que 5 ans d'écart à peine, et puis tu t'étais engagé quand même. Oui, et ben mon mari aussi il s'était engagé, comme quoi tout change. Bon, écoute, c'est pas grave. Je vais demander à Julie de me ramener. De toute façon, avec sa grossesse, elle pourra pas picoler. Julie est enceinte. Non, pourquoi tu dis ça? Tu viens de dire qu'elle pouvait pas boire à cause de sa grossesse. Ah ben non, c'est toi qui l'as dit. Ah non. Tu l'as dit avant qu'elle le dise. C'est Patrick qui l'a dit. Mais pourquoi tu m'as rien dit, chérie? Mais c'est pas moi. C'est Céline qui l'a dit. Non, c'est toi qui l'as dit à Nat. Mais personne ne m'a rien dit. Non, mais moi je comprends plus rien. Alors, elle est enceinte ou pas, Julie? Aucune idée. Demande à Patrick. Hein? Arrête de nous embrouiller, hein. T'en as trop dit. Bon, d'accord.
même avouer que c'est quand même mieux qu'en famille, hein, ce Noël. Ouais, parce que entre un oncle bourré, une grand-mère acariâtre et les enfants qui courent partout, moi ça me saoule. Bah, et après, ça a son charme aussi. Oui, enfin, honnêtement, c'est un autre concept, hein, faut s'habituer un petit peu quand même. Y a quelqu'un qui viendrait s'en griller une avec moi? Ah oui, moi je veux bien. Sur le balcon, hein? Moi du coup, là, je peux mettre ça au frais, là. Par contre, ah, c'est, ah oui, aussi, que... nous aussi, Poupounette, on avait la quiche. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Bon, ça dans le frigo, la famille. Bon, d'accord, faites comme chez vous, pas de problème. Nat, c'est toi qui as invité Julie, là? Bah, bien sûr, attends, on avait dit Noël entre amis, j'invite ma copine. Ouais, mais tu sais, par rapport à Nat et Marc et leur break... Oh, arrête avec l'histoire de break, arrêtez avec ça, ils sont séparés. Ils ont vécu heureux, ça y est, maintenant ils sont séparés. Et on doit les voir chacun de leur côté, c'est comme ça. Bah justement, à propos de ça, et bah, on avait dit, c'était Marc à Noël et Julie à Nouvel An. Bah non, on avait dit le contraire. Pourquoi tu me poses la question? T'as pas fait ça, Bruno? T'as pas fait ça? Non, mais attends. T'as pas fait ça? Eh, hey, si personne m'ouvre, moi je rentre, hein. Oh non! Me dites pas que je suis dernier! Arrête. Salut! Ah, Marc? Bah, qu'est-ce que tu fous là? Mais quelle surprise, Marc! Eh, quoi, Noël entre potes? Tu pensais que j'allais faire quoi? Et on va se faire une chouille, les amis! Ça y est, là, j'ai tout remis dans le frigo, là, je. Et si je vous montrais la quiche galette dans la cuisine? Ah oui, j'ai mis des épices! Et j'ai plein d'autres épices à vous montrer. Je savais pas que t'étais là, sinon je serais pas venue. Pareil, moi je pensais que tu serais chez tes parents. Après, l'ambiance, elle aurait pas été folle, hein. Sans moi, ta mère, elle aurait personne à critiquer. Mais qu'est-ce que tu peux être méchant? Attends, non, pas méchant. Je suis en colère. Et je suis triste aussi, Julie. Mais bon, on est des adultes, et ce sont nos amis à tous les deux. On peut se comporter en personne responsable, et pour ce soir, on met de côté notre break. Mais c'est pas un break, Marc! C'est une séparation! C'est un break! Quand l'une des deux personnes n'est pas d'accord pour se séparer, ça s'appelle un break! Tu m'as dit, Marc, je crois qu'il faut qu'on arrête. Et t'es parti! Mais moi j'ai rien dit, moi! Et ça s'appelle un break! C'est pas une putain de séparation, c'est un break! C'est pas une séparation! Tu entends ça? Toi qui es parti, moi je suis là, moi! Arrête! Arrête! Ne rends pas les choses plus difficiles! Promis, Julie. On parle pas du break et on passe une soirée entre potes pour le Noël. Promis? Promis, Julie. C'est que le 11e réveillon qu'on fait pour le monde. Julie. Je te rappelle quand on allait dans ce petit resto, là. Tous les deux, on l'attendait avec impatience, ce moment. Tu te rappelles?
ya la de ya da dilly dum ti de ya dilly dum ti de ya yam ta du ti de ya la de ya da yam ta du ti de ya la de ya da yam ta du ti de ya la de ya da dilly dum ti de ya dilly dum ti de ya yam ta du ti de ya la de ya da yam ta du ti de ya la de ya da yam da di de ya di yam da di de ya yam di de ya yam di de ya yam da di de ya di de ya di de ya la di ti de ya yam de ya yam da di de ya di yam da di de ya yam di de ya yam di de ya yam da di de ya di de ya di de ya la di ti de ya yam de ya yam ta du ti de ya da de ya da dilly dum ti de ya dilly dum ti de ya yam ta du ti de ya da de ya da yam ta du ti de ya da de ya da yam ta du ti de ya da de ya da dilly dum ti de ya dilly dum ti de ya yam ta du ti de ya da de ya da yam ta du ti de ya da de ya da yam da di de ya di yam da di de ra yam di de ra yam di de ra yam da di de ya di de ya di de ra la di ti de ya yam de ra yam da di de ya di yam da di de ra yam di de ra yam di de ra yam da di de ya di de ya di de ra la di ti de ya la yam da di de ya di yam da di de ra yam di de ra yam di de ra yam da di de ya di de thank you.
Si je résume bien, on a la quiche d'Hélène à manger pour 8. C'est ça. Ouais, enfin bon, moi j'ai quand même ramené le gâteau au yaourt, hein. Mais ça c'est le dessert, Julie. Bah, je sais pas, on s'est peut-être mal compris. Moi je pensais que c'était un dîner à la cool, là. Bah oui, bah à la cool. On est quand même 8 sur une quiche aux épices. Alors, à la cool. Ok, entre potes, je veux bien, mais alors là, faut pas déconner quand même. Même pour un pot de départ à la retraite au bureau, on fait mieux que ça. Mais faut pas t'énerver, chérie. Il y a juste une conclusion sur le groupe WhatsApp. WhatsApp. Oui, on va s'en taper. Enfin, nous, on a quand même dit non aux invitations chaotiques de réveillon pour être avec vous. Non mais dis donc, qu'est-ce que t'insinues, Hélène? Il me semble bien qu'à la raquette du mois d'octobre, tout le monde était d'accord pour faire ce réveillon. Oui, on avait dit Noël en famille, c'est grave chiant. Venez, on fait entre potes et on envoie valser les traditions. Ouais, ben, il y a tradition et tradition. Déjà, pas bouffer d'huître, je l'ai là. Mais je prends sur moi, hein. Pas de vin, mais de la bière. Je prends sur moi, mais bon, là, faut pas déconner quand même, là. Bouffer un huitième de quiche, là, je dis merde! Ça va, je te les laisse, d'accord? Je te laisse ma part. De toute façon, les épices, en ce moment, je peux pas. Je peux pas. Ah bah voilà, j'ai retrouvé. Nathalie, moi, nous, avec Bruno, nous prenons les bières. Ah oui, et en plus, on a pris 6 packs et différentes saveurs. Alors, Julie, je prends le dessert. Bon, bah, ça, c'est bon. Patrick, j'écris de la part d'Hélène et moi, comme elle a du mal avec WhatsApp. Smiley qui rigole. Je peux demander à Hélène de faire sa quiche aux épices, elle est délicieuse. C'est vrai. Ouais. Alors Céline, tu as mis « Je me mets avec Hélène et Patrick ». Ah bon? T'as même pas idée pour la quiche? Ah mais non, moi je disais ça pour le covoiturage. Ah bah non, bah c'est ça. Antoine, je ramène le plat. Bah, j'ai rapporté le plat. Bah, il est où? Il est dans ton sac? Bah, non, il est dans le lave-vaisselle et... Mais de quoi tu parles, Antoine, bordel? Bah, du plat que Bruno a oublié à la soirée raclette la dernière fois. Mais t'es débile ou quoi? On parlait de ramener à manger. Ouais, enfin, Marc, pouet, hein. Toi, t'as rien ramené non plus, hein. Ah, si. Quand on a échangé les messages, j'étais encore avec Julie, donc j'ai aussi ramené la quiche. La quiche. Le gâteau yaourt. Bon, bah, je me suis bourré, et voilà. Le biocop doit être ouvert. Si vous voulez, je vous ramène même la vendeuse. Mais t'es bête ou quoi? Mais non, il est fermé, mais t'as vu l'heure? Mais je vais aux toilettes! Oui, parce que aux toilettes, il y a le traîneau lumineux. Et le traîneau lumineux, eh ben ça la détend. Ah d'accord. Ouais. Mais bon, j'espère quand même qu'elle va pas bloquer les toilettes trop longtemps, parce que j'en connais une qui va être bien embêtée sinon. Hein? Pourquoi tu dis ça? Vous savez quoi les gars? On va aller chercher des pizzas. Ouais, ouais, je pense qu'il va bien y avoir un truc d'ouvert. Eh bien, toi. Mais c'est complètement malade, toi, d'avoir dit ça! Mais ça va pas! Oh putain! Elle est au courant! Elle est au courant! Bon, et ben si on coupait la quiche? Non! Lâche-moi ça tout de suite, Hélène! Là, non, mais alors là, j'en viens pas, là! Bon, ben voilà, tu vois, j'ai voulu la faire au paprika, mais je me suis dit quand même. Eh ben, le curry, c'est vachement bon. Mais on s'en fout. Ah, mais ça va, tu vas te calmer, hein. C'est Hélène, c'est une tombe, elle ne le dira pas, ton secret. Bah oui, il est bien gardé, ton secret. Putain. Et moi, je suis super contente pour toi, oh, Julie. Putain, mais elle aussi, du coup. Bon, bah, Hélène, tu la coupes, cette quiche m'emmerde.
Clémentine, tu sais chanter? Bah ouais, un peu. Alors chante une chanson sur les lutins. Sur les lutins? Oui. Ok, bah tu m'aides? Ok. On fait des rimes en 1? Ok. Genre bassin, lapin et tout. Ok. Ok, vas-y, je t'écoute. Académicien. Avec quoi? Académicien. Non, tu sais, un mot genre main, lutin, hein. Baldaquin. Quoi? Baldaquin? Baldaquin. Écoute, Louise, des mots pour des enfants, tu sais, pour que tout le monde puisse comprendre, tu vois? Contrepoint. Mais tu sais écrire contrepoint? Je crois, ouais. Ouais, allez, encore un autre, vas-y. Stoïcien. Mais tu viens d'où? Ok. Alors, on va faire un truc. Tu vas me dire celui que tu sais le matin quand tu te réveilles et tout, t'as vraiment envie de sortir un mot en un et tout. Qu'est-ce que tu dirais? Mais dis-le, mais fort, mais dis-le, mais vas-y, quoi. Pyrotechnicien. Louise, je vais te faire une petite musique, tu me dis ce que t'en penses et puis après on peut la chanter ensemble et tout, ok? Ok. C'est mon cousin, il s'appelle Lucien. Il a reçu un mauvais bulletin et pour le soutien, je lui ai offert un bouquin sur le pays des Ludaniens. C'est nul. Il y avait du monde, tout le monde était là. Mais tu vas voir si je vais pas ramener des lutins. Ok, ça marche. Super, sympa. Merci. Des lutins. Les lutins. Les lutins. Oui, c'est les lutins. Oui. Can you move it on the rhythm so we can't get hit and do it all? And yes, a rock and roll round, down, body, body, coming.
est 25, là, ça y est, on est en 0, il est périmétré, mon bidon. Ah, mais ton truc, c'est saut moins 2 en fait. Mais t'as quoi, toi? Moi, avec mon dit Tom-Tom, j'ai ma adresse à table, on est bien. Sans ça, j'ai dit. À table. À table. Non, 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 non. J'avais dit étable. Joseph a dit étable. Non, mais t'inquiète pas, Balthazar. Moi aussi, j'ai coupé la table, c'est pour ça que j'ai ramené une grosse bouteille de vin et du pain. Oh. Non, mais tu sais, au pire, on en refinira au gosse, hein. On saura peut-être pas en faire. Non, mais vous filez pas ça au gosse, hein. De toute façon, c'est mon cadeau qui peut faire. Non, attends, je vais te chercher le mien, tu vas halluciner. J'intitule cet objet la bouée. Dans le désert. Mais oui, bien sûr. Regarde, le petit Jésus, il enfile sa bouée. Il se met au bord d'une dune. Et là, Joseph, il le pousse. Et là. Mais attendez, parce que moi j'ai une idée incroyable. C'est un bouclier. Un bouclier pour un nouveau-né. Bah oui, je sais pas, il pourrait se protéger des flèches, des clous, du sable. Et puis comme ça, les petits du quartier qui veulent lui piquer son goûter, ils vont pouvoir se défendre avec. Hein. Attendez-moi. C'est génial. Ouais, c'est génial quand même. Un nounours. Un nounours. Bah oui, un nounours. S'il doit aller faire la guerre, il faut qu'il dorme bien. Trois fois sa taille, il va s'étouffer avec Gips. Pourquoi Gips? Je sais pas, j'aime bien ce mot. De toute manière, c'est pas la question. Il faut qu'on retrouve Marie et Joseph. Mais si ce gosse, il est voué à faire de si grandes choses, qu'il nous mette sur le chemin, non? Non, mais je suis d'accord. Commence à voir mal habite à une petite gambette, hein. On se tape le chemin depuis Perpète les Oies, il pourrait au moins faire quelque chose pour nous. L'étoile? Il est quand même pas laid, ce gosse. L'étoile de la berger? De la berger, c'est non, non, du berger. Du non, c'est la berger. Non, mais attends, c'est l'étoile du berger, je suis d'accord.
I wonder what you are up above. Ça fait penser à la barbe à papa. C'est sucré, on a envie d'en manger. T'as tiré qui, toi? Pardon? Au Noël, avec les prénoms, là, t'as tiré qui? Mais ça se dit pas, c'est un secret. Ça peut être notre petit secret à nous. Non. C'était Smiley dans le monstre. Mais non. Je te jure. Oh, je l'ai pas dit. Il y a un poste qui s'est libéré, un gros coup de chance. Ils m'ont promis au Pôle Europe. Au Pôle Europe? Au Pôle Europe. Ça fait 8 ans que je trime ici, tu viens d'arriver, on te file le Pôle Europe. Je t'ai dit un gros coup de chance. J'en peux plus de toi, mon gars. T'es beau. Oh mais ne touche pas. Je veux les mêmes, frère. Toutes les meufs te kiffent ici. Anna, Barbara, Marion, Rachel, Brigitte, Geneviève. Salut, David. Jean? Jean? Attends, Jean? Bah, en fait, Jean, c'est comme ça que j'ai appris. J'étais allergique aux tortues. En fait, j'étais aux Caraïbes et il y a mon cousin. Mais il y a vraiment tout le monde. On peut faire des cadeaux. Ah bah non, il est 20h57. J'avais dit 21h dans le mail groupé. Parce que, attends, si personne ne respecte les règles... On s'en fout, 3 minutes c'est rien. Mais oui, c'est vous. On peut faire beaucoup de choses en 3 minutes. Exactement. On peut attendre. Thank you.
tiens la balle, attention, c'est incroyable, Zizou, il a le ballon. Et attention, coupe du monde, c'est incroyable, Zizou. Zizou qui met le coup de tête. Oh, incroyable. Incroyable, Zizou qui met le coup de tête en pleine lucarne. C'est dingue. Attention, engagement. Les trois à Tokyo ont la balle. Ils jouent. Et attention, ça arrive, ça arrive. Mais non, attention. Ah, il est là. On peut faire les cadeaux. Bah, c'est déjà. Comment ça, c'est déjà? J'étais dans le paragraphe 7 du mail groupé. Personne ne lit les mails groupés, ça veut dire. Non. Bah, allez, on peut. Offrez-vous les cadeaux. Retrouvez-vous demain la perspective, là. Ok. Alors, c'est qui là? Pas d'or, y'a personne. Tango.
avez commandé quoi pour Noël, vous? Alors moi, j'ai commandé une Barbie et ses cheveux, ils changent de couleur. Waouh. Moi, j'ai commandé un énorme doudou. Waouh. Moi, j'ai commandé une dinette. Oh, attends. J'ai pas commandé ma Barbie. Mais tu vas jamais la voir. Mais non, t'inquiète. Le Père Noël, il entend tout, donc pense très fort. Je veux ma Barbie, je veux ma Barbie. La magie, c'est bon. Maintenant, on peut dormir. Les filles. Quoi? J'ai oublié mon doudou, je vais le chercher. Non, c'est trop risqué. Le Père Noël, il voit tout. Oui. Même une fois, papa il m'a dit que le Père Noël, il avait même vu quand j'avais coupé les cheveux de ma sœur. Ah oui, et ça, je m'en souviens. C'est pour ça que t'auras un cadeau de moins. Alors moi, je suis tranquille. J'ai pas fait de bêtises depuis... 3 semaines. Mais le 26, je recommence. Le Père Noël, il te regarde sur toute l'année, hein. Mais non, t'es trop factuel. Quoi? C'est quoi ce mot? Je sais pas, j'aimais bien. Bon, j'arrive vraiment pas à dormir. Moi non plus. J'ai une idée. On pourrait peut-être compter les reines du Père Noël. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... Mais attendez. Quoi? Il n'y a que 12 reines. Bon, on recommence. D'accord. 1, 2... Quoi? T'es une cloche? J'entends pas. Faut dormir, il y a une cloche. Oh mais les filles, on a mis un verre de lait. Bah oui. Bah ouais, mais s'il est allergique au lait? Tata, elle dit toujours qu'elle est allergique au lactose. Ça lui donne des gaz. Mais quoi? Bah elle pète quoi. Mais c'est pour ça, faut que j'arrête le lait. Si tu veux. Les filles, on n'a pas éteint la cheminée. Et en plus, il neige même pas, le Père Noël, il va pas passer. Mais si, les parents, ils vont y penser, c'est sûr.
gnome Noël. Ouais. Enfin, moi, ce que je reviens pas, c'est que lui, il a réussi à ramener la serveuse de la pizzeria. Il a réussi. Ouais. Et il a fait fort, quand même, parce que choper avec une pizza sans gluten, faut le faire. Non. Mais vas-y, Hélène. Je t'assure, au bout, tu ne t'aperçois même pas qu'elle est sans gluten. Vas-y. Non, 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 merci. Vraiment. Non, non. Dis-nous, dis-nous. C'est une nouveauté, hein. On en vend comme pas possible, hein. Ça s'arrache de partout. Bon, d'habitude, c'est les femmes qui les commandent, jusqu'à ce soir. Ouais, mais Antoine, il adore le bio et le sans gluten. Et sinon, vous êtes dit, tiens, si on fêtait Noël ce soir entre amis. Bah, en fait, c'est pas si simple. Oui, au début, tout le monde devait ramener quelque chose, et puis finalement, hein? Non, bah ça va, tu vas pas en mettre ça sur le plateau, là! Tu veux aller voir ton traîneau lumineux, ma chérie? Non, ça va, j'en viens. Et sinon, vous êtes rencontrés comment, tous? À Disneyland. Sérieux? Ouais. Alors là, c'est Tic, Antoine Tac, Mickey, et c'est Daisy, et moi je suis Dingo. Waouh, wow. C'est la plus belle histoire de rencontre que j'ai jamais entendue. Mais non, il faut marcher. Mais non, c'est Patrick et Bruno qui étaient à la sécurité. D'accord. Et Céline, Marc et moi, on était, tu sais, aux attractions, on guidait les gens et on leur mettait leur ceinture. Et à un séminaire, on s'est retrouvés dans la même équipe pour un concours de création d'une nouvelle attraction imaginaire. Ouais, même quand on a fini dernier. Ouais, mais on a bien ri. Et depuis, on est devenus potes. D'accord. Et donc, du coup, vous inquiétez pas. Je sais qui est qui, j'arrive à deviner qui est avec qui. Je sens les choses. Ah oui, oui, oui. Donc là, tout de suite, tu te dis, Hélène et moi, on est ensemble, là. Non, Patrick et Hélène. C'est évident avec l'âge. Bruno et Nathalie. Bah, c'est facile, je l'ai appelé ma chérie il y a 2 minutes. D'accord. Marc et Julie. Non. Oui. Ah. Et puis Céline et Céline, hein, mais t'inquiète, je gère. Moi, mon premier Noël toute seule, alors là, tout va bien. Bon, je crois que c'est le bon moment. Oui, oui. Agréable et gentil, hein. Déjà qu'on vous suit dans vos délires de bobo avant-gardiste, là, on fait Noël entre potes. Oui, et puis, vous croyez qu'on la voyait pas, la vérité, là, dans cette soirée? Non, mais Hélène, tu veux nous dire la vérité sur ta quiche? Non, mais rigole. Mais rigole. Tu crois que je vois pas que t'es complètement dévasté de pas passer Noël avec ton ex-mari et tes enfants? Hein? Qu'Antoine n'a nulle part où aller. Que Marc, eh ben, il a juste accepté la soirée pour être avec Julie. Et puis comme par hasard, Julie, elle a juste accepté pour pas être avec Marc. Et vous savez pourquoi Bruno a organisé ça? Hein, comme ça là. Non, vous savez pas? Hein? Eh ben je vais vous dire. En fait, ça fait 3 mois que t'as plus avec ses parents. Hein? Et nous, pauvres cons, eh ben on est juste venus parce qu'on s'est dit, bah, ils ont plus besoin de nous que nos enfants. Alors merde, putain, c'est du... pas ma quiche! Fais chier! Quelqu'un veut-il un petit morceau de pizza? Non, je suis vraiment désolée, Hélène, pardon. Non, mais c'est vrai, ça me demande trop, en fait, les enfants. Bon, bah, en tout cas, merci d'être là, les copains. Bon, bah, c'est bon, on va pas tous se mettre à chialer, là. Elle va se demander où elle est tombée.
Non, mais c'est super sympa déjà de m'accueillir, vraiment, super. Non, vous êtes sûr que personne revêt une petite part de pizza? Non? Non, alors, j'ai celle au cap fromage qui est vraiment très très bonne. Franchement, le cap fromage, le fromage est pasteurisé. Eh, ça devrait pas te poser de soucis pour ta grossesse, toi? Pardon? Ah, je pense que j'ai dit une peu. Quelqu'un veut voir mon traîneau? Ah oui, 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 j'aimerais beaucoup, dans les toilettes. Et il est super beau, il vient de chez Truffaut, hein. Ah bah si, il vient de chez Truffaut, alors que viens, Blanc Blanc. Oui. C'est vrai? C'est pour ça que t'es parti? Mais tu disais que faire un enfant, c'était pour répondre simplement à une pression sociale. Imposée par qui? Par notre entourage. C'est ce que tu m'as dit, Marc. C'est vrai que je t'ai dit ça. Et j'ai eu peur. J'ai eu peur. Et toi, quand t'as peur, tu t'enfuis. Mais t'en voulais pas de cet enfant. Je suis désolée, tu n'en voulais pas. Et je devais faire quoi, moi? Je devais choisir entre vous deux. C'est vrai, je t'ai dit ça. Et je te dis pas que je le pense plus. Mais si tu te rappelles bien, Julie, sur cette pizzeria, je t'ai toujours dit que j'hésiterais toujours entre une orientale et une quatre fromages. Tu te rappelles? Mais je t'ai dit aussi, Julie, que la seule chose dont je sois sûr, c'est de t'avoir choisi toi à mon n'importe quelle pizza. T'es d'accord alors? Tu es un mouton de la société? Mais je suis surtout fou amoureux de toi, Julie. Du coup, c'est un peu dommage parce qu'on a, dit non aux traditions, on a dit non à la branche de gui, enfin. Est-ce que j'ai vraiment l'air d'avoir besoin d'une branche de gui? C'est bon, on peut revenir? Eh bien, pour ceux qui l'ignoraient encore, s'il y en a. On va avoir un bébé! Oh voilà! Un cadeau! Eh bien, félicitations! Je nous vois déjà l'année prochaine, là. Toi avec ton petit gars en train d'accrocher l'étoile sur le haut du sapin. Gamin, on va l'appeler Jésus. Enfin, si c'est un. Thank you.
Allez, Johan. Allez, t'es meilleur. Vas-y, Johan. Yes. Manon ? Ouais ? Manon, tu peux venir sur scène, s'il te plaît ? Pourquoi ? En fait, on a quelque chose à dire. Ouais, surtout Johan. Ouais, Johan, ouais. Alors, désolé. Pardon. J'ai dit quoi sur les retards, les gars ? Tu voulais dire quoi, Yann ? En fait, on t'aime beaucoup. Ouais. Ouais. Vraiment, tu sais que t'es là. Mais en fait, c'est à propos de la chorale de Noël. Ouais, bah c'est le tableau qui arrive là. Ouais. On voudrait que ce soit Clem. Enfin, Johan voudrait que ce soit... Attendez. Vous voulez dire que vous voulez que ce soit Clémentine qui gère la chorale de Noël ? Bah oui, parce que... Non, mais c'est son domaine. Parce que Clémentine, c'est son domaine ? Non, mais attendez, Clémentine, c'est votre prof, maintenant. Non. Donc, vous vous êtes tous mis d'accord pour qu'elle fasse le tableau chorale de Noël ? Non. Donc, écoutez, je pense que c'est assez simple. Clémentine a suffisamment de professionnalisme pour savoir... Je suis trop chaud, merci. Clémentine, non me remercie pas. Il y a eu un petit quiproquo. Là, c'est le tableau choral de Noël et du coup, c'est moi qui fais le truc de... Ne bougez pas. C'est moi qui fais, tu vois, le tableau choral de Noël avec eux, un petit truc sympa entre nous, parce qu'ils avaient envie aussi. Restez là, on va faire la chorale. Je peux leur parler plus, ça va bien se passer. Bien sûr, ça va bien se passer, ça s'appelle de la pédagogie. Tu vois très vite, ça les angoisse, arrête. Est-ce que ça vous angoisse quand je suis en train de faire ? Ça les angoisse pas, Clémentine, donc arrête avec ça. Arrête avec tes mains, c'est encore pire. Quoi, je fais rien avec mes mains ? Arrête de dire que je fais des trucs avec mes mains, ça veut dire encore plus, ça me donne des trucs avec mes mains. Je fais rien avec mes mains, ok ? Non. Donc, comme tu es là, Clémentine, je te propose, si tu veux, tu peux te joindre au cœur. Mais avant, j'aimerais bien que tu me montres un petit peu ce que tu peux faire. Vas-y. All I want for Christmas is you. C'est pas mal, tu peux faire les chœurs, c'est bien, c'est pas mal. Non, hey, non, attends, mon plus sur la pédale. Ah ouais, vous avez fait quoi dans les coulisses? On s'est croisés tout à l'heure dans les couloirs. T'as fait un truc avec eux dans les coulisses? Non, mais je les ai croisés, ils m'ont demandé un truc, on était ensemble, enfin je veux dire, y'a pas de galère maintenant. Ok, bah très bien, puisque vous avez envie de savoir ce que Clémentine a fait. Surtout Johan. Vas-y. Vas-y, Clémentine, montre-moi le super truc des coulisses. All I want for Christmas is you. Non, mais... Alors, parce que Clémentine, elle fait ça. Non, mais montre-le, toi. Non, je vais pas montrer, c'est pas le moment, ok? Ok. D'abord, on se place correctement. Donc en gros, si tu continues à parler comme ça, il y a la danseuse à paillettes qui va aussi débarquer, c'est de ça quoi, c'est le nom de famille à chaque fois. Non, mais on parle de danseuse à paillettes, tu connais? Non, mais je veux dire... Attends. Qu'est-ce qui se passe? Non, m'explique. Moi, je suis là, tranquille, je regarde la scène, je sais pas, on appelle danseuse à paillettes. Non, mais... Avancez. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il se passe que normalement, c'est moi qui fallait faire une table au choral de Noël. Et que les contemporains, ils sont allés chercher Clémentine. En fait, on était là. On en a... Tu étais là. Moi, j'ai juste dit. Non, parce qu'il y a quelque chose en commun. Ouais, voilà, t'es un tenteur. Ouais. Très bien. Très bien, vu que c'est Noël, on va faire un truc bienveillant, on va faire en commun, ok? C'est Noël. Super. C'est de passer les lumières là, Franck. Et toi, tu prends Corentin. T'étais dans... T'as mon équipe, il me semble. Ouais, mon des frères. Non, mais je crois pas. Les gars, vous voulez un rôle ou pas cette année-là? T'as dit c'est pour cela et tu fais mieux. Merci. Alors, comment... Faut que... On se côté du public, ok? Ok. Est-ce que ça va? Ouais. Là, on va faire un truc de ouf. On va faire... Aïe, aïe, aïe.
Mais tu as pris le congé. J'allais pas faire. Attends le truc de l'ouvert. J'allais pas faire. Là, on va faire. Hourra! Maintenant, si tu fais une pipip, je sors de la salle. C'est hors concours, ça. Pipip, attends. Oh, Jacques, t'es où là? Pipip, on n'est pas beauf, hein. On va faire koum koum mania. On va me sortir son koum koum mania, c'est le dernier truc que c'est. On fait pas koum koum mania, on fait quoi? Bah, vas-y, Clémentine, mon premier truc. Vous êtes prêts?
don't want the last for Christmas. There's just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I don't want you for my own, more than you could never know. Make my wish come true. All I want for Christmas.